Ça va? Voilà, que Dieu bénisse, Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis-nous au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à l'enseignement. Après la délivrance, il faut être rempli du Saint-Esprit. La dernière fois, on a enseigné comment conserver sa délivrance. On a parlé de l'importance de pouvoir conserver sa délivrance. Tu m'as bien saisi. On a dit que la délivrance est primordiale. C'est-à-dire qu'il faut passer forcément par ça. Quand tu deviens chrétien, il faut passer par ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient. D'accord? Avant de devenir chrétien, on est passé déjà par une famille. Ok? On est né dans une famille. Donc les adorations de la famille, tout ce que tu as fait, peut engendrer, envoyer les démons dans ta vie. On m'a bien compris? Ok? Et Dieu nous fait la grâce de l'accepter comme sauveur et Seigneur. Il nous donne cette conviction de croire que Jésus-Christ est un sauveur et Seigneur personnel. Ok? Dès qu'on accepte Jésus-Christ, on passe une autre étape. Ça veut dire qu'on en croit. Et quand on a accepté Jésus-Christ, on est convaincu parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Très bien. Maintenant, il y a une autre étape importante dans notre vie. C'est-à-dire qu'on est là, on doit maintenant se dire qu'il faut qu'on soit délivré. Je m'en ai bien saisi. Est-ce qu'on me suit un peu? Il fait une révision, il fait une mise à jour, même tout le monde, le même truc. Il faut qu'on soit délivré. Pourquoi? Parce que, à un moment donné de ta vie, quand tu étais loin de Jésus-Christ, il y avait des choses que tu faisais, que tu trouvais ça normal. Tromper ton mari, tu trouves ça normal. Mentir, tu trouves ça normal. Voler, tu trouves ça normal. Il y a des gens qui sont experts en mensonge. Quand tu te manies, tu te dis, mais. Tu sais qu'il mange, c'est joli. C'est tout beau. Tu comprends, non? Je n'ai pas demandé les abeilles. Quoi l'abeille? Il peut en cause de toi, c'est-à-dire pour ta voix, coucher dans ton lit, il peut aller louer une voiture, une maison, tout ça, résidence, tout ça, coûter pour sortir. Après, tu t'en vas pour aller. Ah, c'est quoi ça? C'est un essai. C'est leur bonjour seulement qui est la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Oh, ils n'ont pas peur de voler. Ils n'ont pas peur d'aller faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire que faire du mal, ça ne les effraie pas. Il y a des gens, ils sont là. Quand tu vois comment ils arrivent, ils sont arrivés à tes nuits, tu dis, mais ça veut beaucoup d'art. Ça veut beaucoup de stratégie. Parce que, là, pour moi, les gens qui pensent qu'ils veulent te détruire, là, n'est-ce pas? Ils pensent que toi, tu n'es pas au courant. C'est ça, en fait. Les risés, là, ils sont tellement rusés. C'est parce que toi, tu n'as pas envie de parler, sinon tu vois leur système. Ils te prennent pour un bête. Toi, tu te fais pour voir. Donc, ils sont les plus rusés. Quand ils sont de chez toi, c'est les mecs qui disent le salaud là. Les bêtes. Il vient chez lui, c'est comme ça. Il m'accueille. C'est qu'un outil. Oh, il a mangé. Je lui dis merci, ta femme a bien préparé. Oh, quand il dit là, c'est ta femme qui veut draguer. Oh, à Paris ici. Votre stratégie, c'est draguer femme des gens. Tu vas demander, ah non, c'est là. Mais la femme, quand même, petite dignité, ou bien? Ou bien? Il y a des gens, chaque jour, sont nus. Ils se mettent nus dans les hôtels. C'est-à-dire, matin, midi, soir, tu te mets nu. Tu es toujours nu. Toujours t'es nu, mais tu n'es plus, c'est fini. Toi, l'homme, toujours, tu es dans tes mains nues devant les femmes. Tu ne sais pas qui elle est. Elle est sortie, elle va tout dégâter. Donc, quand quelqu'un est possédé, n'est-ce pas? Il fait des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il est orgueilleux, il est menteur, il est voleur. Il fait des vilaines choses. Après que les gens reconnaissent que lui, là, on dit qu'il est mauvais. Son nom qu'on dit lui, là, il a un nom dans le quartier, lui, là, il est mauvais. Ou bien il est méchant. Vous comprenez? Donc quand tu viens dans le Seigneur, tu viens avec les démons. Ok? Maintenant, il faut que les démons parlent de ta vie. On a bien compris? Mais il faut qu'on les chasse. C'est pour ça que la délivrance, ça se désire. Tant que toi, tu ne désires pas cette délivrance, on ne pourra pas te délivrer. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont toujours mauvais. Qui viennent à l'église, ils sont méchants.
C'est pour ça que les gens disent, ah, mais il va à l'église, hein, comme il est. Mais parce qu'il ne veut pas changer. Les gens disent, non, je suis allé à l'église, mais les chrétiens ont tellement choqué qu'ils ont abandonné l'église. Je leur ai dit la dernière fois, entre l'église et le monde, qui choque le plus, c'est le monde. Ah, ils m'ont choqué. Dans le monde, tu n'as pas choqué. Non, dans le monde, quand le monde va te choquer, tu vas venir à l'église. N'importe quoi. Ils m'ont tellement choqué, je suis parti, j'ai quitté l'église. Mais le monde choque plus que tout le monde. Vous m'avez saisi? Alléluia. Amen. Le seul problème quand tu viens à l'église, il faut te dire, tu retrouves les gens dans cette église, ce sont des êtres humains. Ok? Tu peux retrouver une bonne personne comme reste pour ça. Mais toi-même, est-ce que tu es d'abord délivré? Point d'interrogation. Est-ce que tu es. Est-ce que tu es. Délivré. Tu es libéré de quelque chose. Or, quand quelqu'un est délivré, il peut contrôler sa pensée. Il y a des gens qui ne peuvent plus contrôler leurs pensées. Quand tu dis, vol, tu vas voler. Quand ils vont mentir, tu mens, tu réalises, j'ai menti. Hein. J'ai volé. Hein. C'est-à-dire que tu n'es plus maître de toi-même. C'est cela qu'on dit qu'il est pour. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on apprend l'expression pour. C'est-à-dire que ta volonté est commandée. C'est-à-dire commandée par un esprit qui contrôle ta pensée. C'est-à-dire que tu n'as plus de volonté. Et quand il dit sort la nuit, tu sors. Pendant que ta femme dort, tu sors comme un chat. Il y a un monsieur qui l'a attrapé dans la chambre d'une servante. On dit qu'il s'est trompé de chambre, il est parti dans les toilettes, il s'est trompé de chambre. On dit, mais c'est chez la servante, il faut quoi là-bas? Yahweh, tu fous quoi dans la chambre? Il s'est trompé, on dit, mais il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilettes. La femme a réagi jusqu'à il a fait une. Il a diarrhée chronique ou bien. Elle est à la toilette, voici dans la chambre. Tu vois? C'est-à-dire quand quelqu'un possède son corps, il peut le prendre dans le lit, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut être délivré. Parce que quand tu n'es pas délivré, tu n'es plus maître de toi-même. Tu n'as plus ta volonté. C'est un esprit qui te commande. Vous comprenez? Tu vas beau aimer le Seigneur, mais un esprit te commande. Quand il m'a dit, va fumer, il y a des gens qui sont fumeurs. Je lui ai dit, bon mari, il est mort. Pourquoi vous continuez de fumer? Les grands menteurs, c'est les fumeurs. Ils ont toujours quelque chose à faire à côté. Non, je vais aller régler puneur. Ils sortent toujours pour aller fumer. Or, on nous a mis cigarette là. On dit, abus dangereux, la santé. Il y a cancer. Donc ça veut dire, si toi-même tu vois cancer et puis tu continues de fumer, qu'est-ce que tu cherches à dire? La mort, cancer. Ça veut dire que ce n'est plus toi, mais c'est un démon qui est en toi qui te pousse. Malgré que tu sais que c'est mauvais, à la longue, tu auras le cancer, ça te pousse à faire le cancer, ça pousse à bout. Donc c'est des démons qui te téléguident. Derrière la drogue, c'est des démons. C'est pour ça que la prison ne peut pas délivrer quelqu'un. C'est des démons. Quand vous regardez les personnes raisonnées, même en train de parler, vous comprenez que le monsieur est procédé. Sa manière de parler à sa femme, sa manière de parler à son homme, c'est un démon qui anime le monsieur. Parce qu'il a comme il parle à sa femme avec arrogance, il est orgueilleux. Parce qu'en temps normal, quand tu vis avec une femme, il faut la respecter, il faut savoir parler à la femme. Un homme aussi, la femme aussi, il faut savoir parler à ta femme. Or, il y a des gens, un démon guerrier, on peut toujours faire par là. La femme qui est un démon guerrier, c'est pas là. Pourquoi tu me parles comme ça? Or, il y a des choses, on va doucement. Il y a des choses qu'on peut régler doucement. Vous voulez en même temps, si le stade n'est pas là, le monsieur témoigne, là qui frappe. On sait que ta bouche, il y a lance-roquette, mais le monsieur, il a la ministre, il va te frapper. Comme ici, vous appelez forcément la police. Or chez nous, il te frappe, ça va arriver. Le policier va te dire, continue de la frapper. Là chez nous, là, vous êtes mal barré, vous qui aimez parler, si vous venez chez nous, vous voulez, le policier ne va pas décrocher le téléphone. Il a quel temps de prendre pour pour aller chez Paris. Monsieur, madame, il est malade ou bien? Il a fait les matchs en placard le soir. Il a fait des fois sa bière. Il a fait des séparés. Oh, ici, tout le monde dit non, la femme a danger. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne fais pas là, mari. Il ne t'a pas blessé. Lui, il n'a qu'à te blesser. Parce que lui mettait ça chez lui à la maison. Vous comprenez, non? Non, mais c'est pour vous dire que la femme, elle a besoin d'aide. Beaucoup de temps de sa mère. Les femmes que Dieu bénisse,
Je vous invite les femmes, l'amour d'un père envers les filles, hein? N'est-ce pas? Que Dieu bénisse. La femme fait beaucoup d'attention. C'est vrai que souvent les mamans sont trop, trop de sakasaka, il faut les aider, n'est-ce pas? Donc, trop de sakasaka, sakasaka. Il y a quelqu'un sakasaka, sakasaka. Mais les mamans, les femmes sont, c'est la créature, le plus beau cadeau que Dieu a créé à donner à l'homme, n'est-ce pas? C'est la femme. Si une femme est prête pour toi, elle va t'amener là-dessous. Mais si elle n'est pas prête pour toi, elle va te dire, c'est elle qui va te dire. C'est deux choses. Si elle est avec toi, c'est pourquoi? Vous m'avez fait avancer, moi pour me détruire, tu le seras. Elle sera sincère avec toi. Elle sera fidèle. Elle ne va pas te mentir, elle sera sincère. Oh, une femme qui est avec toi, qu'elle sort avec quelqu'un, elle va faire des trucs bizarres, c'est qu'elle est venue en mission, elle va te détruire. Quelle femme dit qu'elle te détruit? Elle va dire tu mens. Il faut demander pardon, il faut venir entre nous. Agnès, il faut te mettre en genoux, mon frère. Tiens, mets-toi en genoux pour dire pardon. Il faut pitié de moi, pitié. Je suis l'enfant unique. Je suis le seul, les sorchons tout manger. Pardon, les sorchons tout manger dans ma famille. Je suis le seul. Faut pas dire non, tu veux me faire quoi? Toi, tu gardes la mise, mais elle va calculer son plan puis te détruire. C'est pour ça que la femme qui est à côté de toi, faut la respecter. Tu dors avec dans le lit, tu n'es pas mort, c'est une grâce. Elle prépare pour toi, ta prend pour venir, c'est une grâce. Faut la respecter. Non, tu es qui? Mais quand même, tu as eu besoin d'elle un moment dedans de ta vie. Bon, bref. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme aime ta femme, n'est-ce pas? Il faut la prouver que tu l'aimes. Il faut te mettre, il faut l'amener, sortir, manger un peu, dire ouvertement que tu l'aimes, déclarer. Voilà, il faut lui donner des bonnes paroles, tout ça. C'est vice versa aussi. La femme doit être soumise. Quand ton mari quitte le travail, il faut enlever ses chaussures. Saison A. Ma fille me fait, mais c'est comme ça. C'est pas qui veut vivre dans un foyer, c'est qui mérite le mérite. C'est qui mérite de vivre dans un foyer. Elle me dit, oui, enlève les chaussures de ton mari. Tu ne peux pas, il faut pas aller dans le foyer. Mais c'est comme ça, c'est comme ça chez nos parents, les gens durent longtemps. Ici, c'est les femmes isolées seulement. Les femmes isolées, mais isolées, mais isolées, mais isolées, mais isolées, mais isolées, mais seules, mais seules, mais seules, mais seules, mais isolées. Papa, il y a quel isolé aussi? Mais quel isolé, si c'est bandit, vous voyez. Quel isolé, il y a quel isolé. Comment est-ce qu'il est isolé? C'est malade. Comment est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'il a dit le monsieur, il est isolé? C'est la question, monsieur. Eh, monsieur qui vient de travailler là-bas, enlever ses chaussures, ses ongles sont bizarres. Enlever sa répétitude. Hein? Couper ses ongles. Il a les ongles, on dit du cabri. Ça déchire les bras du lit. Dites au monsieur, je t'aime. Il est stressé. Le quand vous venez aussi du travail, avoir un petit cadeau à votre femme. Et puis dites à votre femme, je t'aime, chérie. Il hein? Faut changer de design. Amen. Amen. Faut pas venir avec un mine bizarre, comme à tout le monde parler. Dès que tu arrives à la porte, il faut changer de mine. Pas dans ta femme, chérie, changer de design. Vous pouvez envoyer, chaque fois que vous changez un cadeau, vous pouvez chaque deux jours envoyer quelque chose à la femme, sourire avec elle. Le stress de le travail, laissez ça à la porte. Quand vous rentrez à la maison, souriez à votre femme. Vous comprenez? Comme ça, la femme, elle est contente de recevoir un homme. Ne soyez pas comme un dictateur à la maison, c'est vous qui devez mettre les ordres. Vous venez, tout le monde a peur, les enfants se cachent. La commande est où? C'est où ça, les enfants? Le petit fuit. Et comme ça, la maman, là, elle va maîtriser toute la maison, c'est-à-dire elle va mener tous les enfants avec elle et puis elle va se retirer comme des dictateurs. Amen. Donc la femme, c'est-à-dire arrêtez la guerre, arrêtez les trucs bizarres, soyez bien, vous allez voir, vous allez gagner, vous allez gagner votre épouse, vous allez gagner votre époux. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand quelqu'un est délivré, il vit un bon foyer. Le problème, c'est qu'on est vraiment délivré. Si on est vraiment délivré, on a une bonne femme, n'est-ce pas? Un homme délivré. Marier quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Marier une femme qui a la crainte de Dieu. Parce que quand quelqu'un a la crainte de Dieu, avant de vous faire du mal, il va réfléchir. Or, vous vous basez sur le problème des matériels. C'est le danger aujourd'hui que les gens courent. Et ils regardent le côté matériel, c'est-à-dire le matériel qui les intéresse. Ils ne basent pas
sur la crainte de Dieu. Est-ce que le monsieur craint Dieu? Est-ce que la femme craint Dieu? Or, si le monsieur craint Dieu, pour faire du mal à sa femme, il va réfléchir. Pourquoi? Parce que la femme, elle est créée à l'image de Dieu. Vous comprenez? En faisant du mal à sa femme, il touche l'image de Dieu. Vous comprenez? En faisant du mal à son mari, il touche l'image de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, nous, de la vie. C'est cela que, est-ce que réellement il est délivré? Est-ce que le monsieur que je vais épouser, il est délivré? S'il n'est pas délivré, il ne va pas te considérer. Il va rester dehors. Il va trouver plaisir de vivre dehors. Il va te faire la bagarre. Mais une femme que tu as décidé d'avoir, tu es convaincu que c'est celle qui est ta femme, hein? Mais tu te battras pour ça. Quand tu es convaincu que c'est le monsieur là qui est ta femme, elle, ton mari, tu vas te battre pour ça. C'est comme ça. Il y a toujours un sacrifice, il y a toujours quelque chose. Mais quoi? C'est ton caractère, ta manière de faire. Tu vas envoyer un homme vers toi. Comprenez? C'est ta manière de faire qui amènera la femme vers toi. Il faut savoir prendre. C'est pour ça qu'il faut amener les gens à être délivrés. Pour rentrer dans un foyer, parce que dans le foyer, il y a certaines réalités. Quand quelqu'un rentre dans le foyer, il y a des réalités. C'est quand vous mariez, quand vous avez quelqu'un, vous voyez des réalités. Vous allez voir, peut-être, ah, la femme là, c'est pas comme ça que j'avais connu. Hein? C'est ça un homme sage. Amen. C'est ça la sagesse. Il faut savoir prendre l'homme, il faut savoir prendre la femme. Il faut devenir la meilleure femme, il faut devenir le meilleur mari. On dit mon mari m'a fui, il est allé derrière une petite. Mais ce que la petite fait, toi tu ne fais pas. La petite fait des pédicures, elle fait des manicures, elle le masse, elle lave la voiture. Que tu veux manger, elle veut manger à 100 grammes, un polo, un placali. Toi tu dis non, c'est des pizzas seulement. Allons au restaurant. Le monsieur te touche, il dit, ah, non, je suis fatigué. Oh, la petite fille, elle donne son, excusez-moi, elle accepte tout. Mais c'est là qu'elle va mettre sa tête de lieu, là. Mais c'est la vérité, je vous dis. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus entretenir nos relations. On s'est néglige dans le foyer. On dit, amen, c'est des petits coups de passage, comme ça. Ah, mon mari m'a laissé la fuir. Non, les sorciers l'ont chassé. Quel sorcier qui l'a chassé? C'est toi qui l'as chassé. Que Dieu nous aide. Donc, il faut être convaincu que le monsieur il a la crainte de Dieu. Quand il a la crainte de Dieu, il est sincère, toi. Quand il a la vérité, il te dit cette vérité en face. Il n'a pas peur de te partager la vérité. Il n'a pas peur. Il t'assoit avec toi pour dire, voici ce que je pense de toi. Un homme qui aime sa femme lui dit ce qu'il pense. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Une femme aussi qui est sincère avec son mari, dit ça. Et puis s'entend. Et puis on avance. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Donc, quand c'est quand on a un démon qu'on n'allait pas là. Quand vous voyez le conflit dans les foyers, c'est qu'il y a un démon là-bas. C'est ça qu'il faut se baser sur le principe de la délivrance. Parce que quand on a délivrance, c'est maîtrise. Si ta femme t'a mal parlé, tu te maîtrises. Parce que tu es délivré. Quelque chose, un esprit de colère ne peut pas t'animer. Tu es maîtrisé. Vous comprenez? C'est ça que la délivrance, c'est la base de toute chose. On m'a bien compris? C'est la base, c'est le principe de toute chose. Malheur pour toi, ta mariée une sorcière, elle va te manger la nuit, elle sauce arrachée. Pendant que toi tu ronfles, il y a des gens qui ronflent, leur ronflement, c'est Dieu ça dit, remis ça, remis, c'est comme ton gaz. Pendant que toi tu dors, la femme elle sort de son corps, elle boit viande, elle boit barbecue, elle boit michou. Il faut que tu manges la nuit, tu as fait la vie de manger. Maintenant, toutes les maladies, tu as fait. C'est pour ça qu'il faut être convaincu que si tes femmes ne sont pas la nuit, il faut être convaincu que le monsieur ne soit pas la nuit. Est-ce que tu connais le statut spirituel de monsieur? Si oui, il est délivré, oui, gloire à Dieu, c'est un bon monsieur. Ce n'est pas la parure extérieure qui compte, c'est l'intérieur qui compte. Et puis généralement, les gens n'aiment pas la beauté intérieure. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui même, il y a des démons en chair. Il y a des gens que vous voyez dans la rue, ils sont des démons. Mais les démons en chair, ils sont physiquement, vous voyez une beauté, mais l'intérieur, c'est la pourriture. Vous comprenez? Donc, pour voir réellement si la personne est délivrée. Quand elle est délivrée, l'aspect de cette personne, on voit la soumission, on voit l'amour, on voit que la personne a la crainte de Dieu, surtout la maîtrise de soi. On se maîtrise face à une situation, on ne panique pas, on agit selon Dieu. Dis amen. Amen. Quand une personne est délivrée, quand il y a une situation, elle continue d'avoir Dieu, elle va parler pour vous. Elle a la paix du cœur et du discute. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est pour ça que la délivrance, elle est primordiale.
Les gens ratent le foyer parce qu'ils ne sont pas délivrés. Et ils appuient les sorciers. Ouh, ma tante, c'est elle qui m'a attaqué. Elle m'avait promis qu'il n'y aurait jamais marié. C'est elle qui m'a attaqué. Or, toi-même, ta bouche est armée. Or, moi, toi-même, tu es resté, tu es infidèle. À un moment donné de ta vie, tu as eu une relation, tu t'es mal comporté. C'est ça le problème. Or, la femme est une bénédiction pour l'homme. Et c'est ce qui fait le bonheur de l'homme. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le... C'est pour ça qu'il ne faut pas partager ce que tu as pour nous. On va bien servir. C'est vous qui êtes le bonheur de l'homme, vous les femmes. C'est la plus vérité. Faut pas se blaguer. Sans l'homme, la femme n'est rien. Sans l'homme, sans la femme, l'homme n'est rien. Sans la femme, l'homme n'est rien. On est orgueilleux, on crie, crie. Sans la femme, l'homme n'est rien. C'est la femme qui vient aider l'homme dans son évolution. Mais sois la meilleure femme. Un homme n'a qu'à être mauvais, il a une bonne femme. Ils ne vont jamais voir le côté mauvais de l'homme. Vous comprenez? Mais une femme n'a qu'à être mauvaise, son mari n'a qu'à être bon. Ils ne vont pas faire des choses au foyer. Ils ne vont jamais faire des choses au foyer. Pour vous dire, en réalité, c'est vous qui faites l'homme. Mais aussi, un homme aussi doit respecter sa femme. Si tu as décidé pour la respecter, quel que soit ce qu'elle est. Quelque chose, c'est quelqu'un, tout ce qu'on fait. Mais en réalité, les gens sont possédés. Ils sont attirés par ce qui est bizarre. Qui est quelqu'un bizarre. Bizarre. Ça veut dire que le monsieur est possédé. Quand tu peux être à la maison, tu n'as pas envie de rester avec ta femme, tu sors. Tu sors, et puis tu es bizarre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que réellement on est délivré? C'est le point d'interrogation. Donc on passe nos vies chrétiennes, si la religion, c'est qu'on est religieux. On vient à l'église en réalité, mais on n'est pas délivré. Pendant qu'on est à l'église, tes pensées sont ailleurs. Comment tu allais boire bière? Comment tu allais sortir avec quelques personnes? Comment aller boire bière? Comment aller boire, comment on appelle? Hein? Oui. Whisky et coca. Il dit trop, le prophète, il a trop dit, il a ramené prier, il a battu en brille. On t'a donné rendez-vous. Les gens qui sont à l'église, on les SMS, ils sont en train d'écrire aux gens. C'est de la société. Quand tu viens à l'église, tu dois fermer ton portable. Dis à quelqu'un, éteins ton portable. Dis à quelqu'un, éteins ton portable. Vous flèche trop. Non, mais ça vous flèche trop. Mais c'est la vérité, il faut de la vérité aux gens. Quand vous êtes en communion avec Dieu, et c'est simplement trouver le pont de discuter avec d'autres personnes extérieures. Mais de votre esprit n'est pas ici à l'église. C'est dangereux. Il dit les vrais adorateurs m'enverront en esprit en vérité. Bien, les gens qui sont en esprit. Soyez en esprit. Pendant que je prends d'autres personnes qui sont sur leur téléphone, à moins que tu prennes peut-être prendre les notes. Mais en temps de correspondre, de discuter avec quelqu'un, une personne qui est à l'extérieur, c'est un péché très grave. C'est-à-dire, toi-même, tu n'as pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches en retour? Tu es venu figurer, mais tu ne seras pas béni. Il y a des gens comme ça. Amen. À un moment donné, il faut respecter Dieu. Quand tu viens adorer Dieu, il faut le respecter. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Tu n'honores pas la femme honorée. Tu m'as bien saisi. Donc, au fait, en réalité, les gens ne sont pas délivrés sur cela qu'il ne faut pas les prendre en compte. Ils ne rencontrent pas les gens qu'il faut dans leur vie. Ils ne sont pas délivrés. Ils ont des racontes bizarres. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc, une bonne rencontre, ça dit, on s'aperçoit que le monsieur est vraiment délivré. Il a des qualités spirituelles en cette personne. N'est-ce pas? Alors, quand on n'est pas délivré, on a des démons. On fait des vilaines choses. Et tout le monde est convaincu que le monsieur, ça ne va pas. Mais la madame s'aperçoit que le monsieur est possédé. Il fait des choses anormales. C'est comme dit, c'est ça la madame. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à le faire délivrer. Mais quand un démon sort d'un corps, la même dit, il va où? Il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Dans Matthieu 12, verset 43-45, on dit quand un démon sort d'un corps, il va dans les lieux, ça arrive, il va. Quand il sort, ça veut dire qu'on a chassé des démons, quand il sort de ton corps, ils vont dans un autre endroit, ils vont chercher un autre démon plus méchant. Et après ça, d'abord, avant ça, il va, et puis il revient voir son ancien endroit. C'est-à-dire,
quand il constate que l'endroit est bien propre, orné, où Christ n'est plus. Parce que c'est ça aussi. Christ peut être absent. C'est ça que la nature aurait dit. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, le thème. Après avoir été délivré, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, les démons vont revenir. Ah non, on a prié pour moi, les choses n'ont pas changé. Parce que toi, tu n'as pas voulu que les choses changent. Parce que tu ne voulais pas que les choses changent. Il y a des gens qui pour les délivrer, mais ils ont toujours maintenu leur position de posséder. C'est-à-dire qu'ils retournent encore la prostitution, ils retournent encore la sorcellerie, c'est possible, puisqu'ils aiment ça. C'est ça qu'à un moment donné, il faut renoncer, il faut résister au diable. Est-ce qu'on a bien choisi? Il faut renoncer et puis il faut résister au diable. On m'a bien saisi. Amen. Sinon, il revient avec cet esprit plus méchant que lui. N'est-ce pas? Amen. Et puis ça devient encore plus dangereux. Donc ça veut dire que si toi-même, tu ne prends pas soin de conserver ta délivrance, les démons vont revenir. Donc il ne dit pas non, le prophète a prié, ou même tel pasteur de Dieu a prié pour moi, les démons sont revenus. Les démons sont revenus parce que tu as voulu qu'ils reviennent. On m'a bien saisi? Parce que c'est biblique. Hein? On va comprendre tout à l'heure beaucoup de choses. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Et pire que la première. C'est ça que si vous ne possédez pas vos délivrances, c'est encore plus dangereux. Vous comprenez? Il faut se faire délivrer. Mais encore une seule chose, il faut conserver sa délivrance. Je vous dis, quand les démons sortent de mon corps, quand l'endroit est vide, voilà. La voie est vide, le démon revient après. C'est pour ça qu'il faut se faire remplir du Saint-Esprit. Parce que quand un démon, un esprit mauvais sort d'un corps, impérativement, le corps revient vide. Maintenant, c'est toi qui dois attirer, permettre à la présence de l'Esprit de Dieu de venir en toi. Or, l'Esprit, on l'appelle l'Esprit. L'Esprit Saint, n'ayez pas peur de ça. Esprit. Esprit. Il est un esprit qui est saint. Et il peut s'attrister. C'est pour ça que la Bible n'attriste pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand vous êtes à l'église, ne jouez pas avec votre téléphone. Vous fermez le téléphone. À moins que vous copiez quelque chose. Parce que ça peut attrister le Saint-Esprit. Quand vous êtes à l'église, le fait de manger le chewing-gum, quand on va plus coller ça sur la chair, ça peut attrister le Saint-Esprit. Quand vous êtes à l'église, parler mal à un fidèle ou un soeur en Christ peut attrister le Saint-Esprit. Oui. On m'a bien saisi? Parce qu'il est très fragile. Or, le démon, on le chasse. Hein? Vous comprenez? Non? Est-ce que vous comprenez? Le démon peut le chasser, mais le Saint-Esprit, c'est ton comportement qui peut le chasser de ta vie. Oh, le micro, s'il vous plaît, un enseignement important que je suis en train de donner. Est-ce qu'on me saisit un peu? C'est ton comportement qui peut changer, chasser, attrister l'esprit. Amen. Voilà, donc quand l'esprit part, n'est-ce pas, que quand tu as accepté Jésus-Christ, l'esprit vient dans ta vie. L'esprit de Dieu, n'est-ce pas, il rentre dans ta vie. Ok. Mais quand tu commences à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, ça peut chasser l'esprit de ta vie. C'est pour ça que la Bible dit que n'attrissez pas le Saint-Esprit.
Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit en nous, c'est plus bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il te donne cette autorité-là. Permet même aux démons de savoir que tu es enfant de Dieu. Les démons là, ils savent qui nous sommes. C'est pas qui veut chasser un démon. Dis à quelqu'un, c'est pas qui veut chasser un démon. Prends acte des apôtres chapitre 19. Je vais vous enseigner un peu le bénéfice. Ça veut bien fondé d'avoir le Saint-Esprit en nous. Chapitre 19. À partir du verset 13. Parce que le Saint-Esprit là, il ne rentre pas dans la vie de qui veut. Or, le diable, il sait qu'il y a le diable en lui comme lui. Il sait qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Donc, ce n'est pas qui veut chasser le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut. Il faut se faire délivrer. Il faut conserver sa délivrance. Il y a des gens qui vont chasser un démon, ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce que le démon ne reconnaît pas ton autorité. Il sait que toi-même, tu es toujours dans les bars. Hein? Jack Daniel, prostitution, tu bois, tu cherches, tu es dans les conneries, tu n'es pas sérieux. Tu n'es dans le sorcier, même chez toi, il vient manger barbecue, il veut les frites, la sauce graines, la sauce dumbré, dedans, la cali, il mange. Parce que toi-même là, tu n'es pas sérieux. Or, quand le Saint-Esprit parle, le démon parle de ton corps, et que tu acceptes que l'Esprit de Dieu vient pour toi, et que tu vis selon l'Esprit de Dieu, Dieu te donne l'autorité. Les démons commencent à te respecter parce qu'il sait que tu es, il sait que tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Allons-y, ma fille. Acte 19, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Il y avait des gens qui ont venu chasser un démon par Jésus qui prêche Paul. Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. On dit l'esprit malin leur répondit. Dis à quelqu'un, l'esprit malin leur répondit. Ça veut dire quoi? L'esprit malin te connaît. Hein? Dis à quelqu'un, l'esprit malin nous connaît. Allons-y, ma fille. Je connais Jésus. Il dit, je connais Jésus. Dis à quelqu'un, je connais Jésus. Je connais Jésus. L'esprit même dit, le démon l'a dit, je connais Jésus. Ça dit qu'il te connaît, frère. Je connais Jésus. Allons-y. Je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous. Très bien. Il dit toi-même, Dieu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et cet homme dans lequel était l'esprit malin. Cet homme dans lequel est l'esprit malin. C'est lança sur eux. C'est lança sur eux. C'est rendu maître de tous deux. Très bien. Et le maître, il est sort qu'il s'enfuit de cette maison. Il les a bien frappés, blessés. Amen. Pour dire, frère, quand le démon les connaît chacun d'entre nous, il sait. Quand les gens se lèvent le matin pour dire, ah non, lui là, il est en train de chasser un démon par un démon. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir animé par un esprit du diable pour aller chasser un démon. Non, 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 non. C'est pas un possédé qui va tuer le dragon de drogue. Non. Il y a des esprits. C'est ça que je vous ai montré la vidéo. Où ça faisait buzz sur le Facebook, où les gens, un pasteur est dans un village, il y a eu un tubillon, ça a cassé toutes les chaises, pour dire, c'est pas n'importe qui va dans un village pour chasser les sorciers. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Le démon sait qui tu es, n'est-ce pas? Si tu n'as pas l'autorité en toi, il sait qui tu es. Il dit, Jésus, je le connais, toi, je le connais, vous, qui êtes-vous? Il les a bien foudroyés. Pour dire quoi? Quand l'esprit part de ton corps, quand le démon part de ton corps, il faut permettre à l'esprit de venir dans ton corps, dans ta vie. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Étant le temple du Saint-Esprit, il faut commencer à prendre les choses de Dieu au sérieux. On m'a bien saisi? Amen. Or, quand tu commenceras à prendre les choses de Dieu au sérieux, les démons vont commencer à te respecter. Ils vont d'abord avoir peur de ta maison. Il y a des gens, on a beau visiter leur maison, mais leur maison est devenue anti-miracle. Parce qu'ils même chez eux, la maison, c'est pas là. Monsieur, madame, c'est bagarre. Ils ne font qu'ils vont prendre des choses. Mais attends, une maison comme ça, comment Dieu va toujours venir habiter là? Monsieur et madame dorment, ils se boudent. Vous vous boudez entre vous. Mais le jour où tu boudes madame, vous tournez le dos. Et comme mur de Merlin est cassé aujourd'hui, il y a le mur de Merlin, monsieur tourne le dos à madame. Et personne ne veut se toucher, on se boude. Les démons vont rentrer dans votre maison, vous détruire. Vous comprenez? Quel que soit ton fâchement, tu es fâché,
faut te réconcilier un monsieur pour aller dormir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta... Vous m'avez compris? Il faut aller faire tes jeûnes secs. Il y a les principes bibliques. Les démons, ils connaissent ça que tu es. Il y a des gens qui font 21 jours de jeûne, ils font 3 semaines de jeûne, ils font 40 jours de jeûne. Les démons, ils s'en foutent de toi. Le démon, il respecte celui qui respecte la parole de Dieu. Amen. Dis amen. Amen. Parce qu'ils te connaissent. Ils nous connaissent. C'est pour ça qu'à moi, chasser un démon, il faut être convaincu que tu es prêt. Tu as les mains feu. Il va dire, mais toi, t'es qui même? Toi qui mets feu sur moi, toi, t'es qui? Il va te frapper. Il va te poursuivre. Il va tout casser chez toi. Le jour où je partais détruire le dragon de Gros, la nuit, j'ai vu des esprits marcher sur ma toiture. Bou, 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 bou. J'ai vu, ils ont tapé à ma porte. Bou. Je me suis réveillé. C'était 2h du matin. Je me lève. Les esprits, j'ai tant, les cris. Les gens veulent rentrer. Je me suis levé. Je leur ai dit, c'est ce qu'on appelle violation à domicile. Je suis sorti, je suis dans ma salon. J'ai dit, vous êtes venu chez moi. Quand vous êtes venu rentrer, venez chez moi, rentrez. Celui qui est le premier à rentrer, il finit à lui. Rentrez. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Il faut rentrer. Toi qui as tapé, boubou, là. Je ne trouve pas la porte parce qu'à 7h, je n'étais pas dans leur endroit. Mais si tu es garçon, entre. Tu vas voir, toi, trouver ton camarade garçon. Amen. J'ai vu, personne ne parle. Je suis allé m'asseoir dans mon tu, jusqu'à 2h du matin. 4h, j'ai commencé à prier. Ils sont partis. Le lendemain, j'ai tué. Pour vous dire, ce n'est pas n'importe qui se met à chasser un esprit de sorcier. Ce n'est pas n'importe qui se met à chasser un esprit, un esprit démoniaque. Amen. Toi, tu es qui? Tu viens d'embrasser un mari de quelqu'un. Toi, tu es une fille. Ma tante, le fils, c'est ma tante. Elle va te chiffler. Va te manger avec une dolée, tu as compris. Le démon même se marie, n'importe quoi, et celle, n'importe quoi. Parce que les démons, ils connaissent. Ils connaissent chacun d'entre nous. Qui es-tu réellement? C'est ça. Le démon dit, je connais Paul. Je connais Jésus. Vous, qui êtes-vous? Pour vous dire en réalité, il faut permettre au Saint-Esprit de vous habiter. Quand le Saint-Esprit vous habite, vous avez la victoire sur les ténèbres. C'est ma force, ça. Le jour où je ne serai plus habité par l'Esprit de Dieu, le diable va m'avoir. Et ce n'est pas mon souhait. Je vais être toujours animé par l'Esprit de Dieu. Je sais. C'est pour ça que le diable sait qui est qui. Il sait qui nous sort. J'ai toujours remporté les victoires parce que je suis dans le Seigneur. Et quand tu abandonnes le Seigneur, tu es sous, n'est-ce pas, sous l'autorité du diable. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, si vous êtes délivré, il faut que le Saint-Esprit vous anime. Quand quelqu'un est animé par l'Esprit de Dieu, la personne manifeste les fruits de l'Esprit. Tel que la patience, tel que la douceur, tel que l'amour. D'abord, le premier élément, c'est l'amour. On ne peut pas aimer, on ne peut pas servir Dieu sans l'amour, que le principe. Vous allez voir que quand quelqu'un connaît Dieu, il va manifester l'amour. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est... Quelles sont les œuvres? Quelqu'un qui aime Dieu ne parle pas mal de quelqu'un. Quelqu'un qui aime Dieu, il va commencer à aider les gens. Quelqu'un va aimer Dieu. C'est pour ça que Jésus, on dit Dieu aime le monde qu'il a donné. Toujours l'amour, c'est le partage. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est le fruit de l'Esprit qui se manifeste en toi. La maîtrise de soi, le pardon, n'est-ce pas, la douceur. Il y a des gens, tu les vois parler, tu dis lui là, c'est petit, fait de baiser lui. Parce qu'il est méchant. Il y a des gens qui sont méchants. Une méchanceté extrême. Il y a des gens qui ne savent pas reconnaître. C'est-à-dire tout ce que tu as fait pour lui, là, il ne reconnaît jamais. Ces petits frères de Bézébul, ils ne reconnaissent pas. Ils ont une conscience morte. Avoir une conscience morte, c'est un élément du diable. Mais là, ils ne reconnaissent pas. Non, il m'a fait, tu as fait quoi? Petit truc, madame. Mais au moins, petit truc, c'est quelque chose. Tu as eu besoin de moi, je t'apportais mon soutien. J'ai des gens comme ça. Oh, les gens qui ont l'esprit de diable, qui ont la conscience morte, ils sont du diable. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas fait de faire du mal aux gens. Ils n'ont pas peur de taillir. Ils n'ont pas peur de s'asseoir, de manigancer les choses contre toi. Ça veut dire que toi, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, tout là où on parle mal de quelqu'un, là où on insulte une personne, là où on vilipende, lui c'est loin. Parce que ce n'est pas en lui. Dis amen. Amen. Ce n'est pas en lui. Mais où on parle mal de quelqu'un, tu t'assois. Ça veut dire que toi, il y a un instinct en toi qui est parti vers toi. Si on fume drogue quelque part, puis toi, tu vas t'asseoir là-bas. Ça veut dire que monsieur, faut fumer comme moi. Ou bien, les gens sont en train de fumer, toi, tu vas t'asseoir dans le fumoir. Ça veut dire que tu fumes aussi. C'est pas ça. Amen. Tu vois, il dit,
Pourquoi c'est là où on critique? Dis, non, moi j'étais là-bas, on t'a critiqué. J'ai entendu seulement. Mais Atia, tu faisais quoi là? Tu faisais quoi là-bas? Donc quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il s'éloigne de tout ce qui est mauvais. Quand quelqu'un a un mauvais esprit, il est attiré vers les mauvaises choses. Quand on parle, il aime bien où on insulte les gens. Il aime se mettre en compagnie des moqueurs. Il aime se mettre en compagnie des gens qui détruisent les gens. C'est ça, on dit quelqu'un a un mauvais esprit. Il a un mauvais esprit. On n'est pas un démon, hein, mais son esprit est mauvais. Donc dans les mauvaises choses surtout, il est toujours nommé dans les mauvaises choses. Par contre, quand quelqu'un aime un esprit saint en lui, il évite. C'est-à-dire, tout ce qui est, si tu l'as fait du mal, il va s'excuser. Mais il n'ose même pas te faire du mal en retour. Vous comprenez? Parce qu'il est délivré. Ce n'est pas en lui. C'est ce que Jésus-Christ a dit à la croix. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dès qu'il avait cette capacité de se défendre, il dit pardon. Il a primé le pardon. C'est dans l'amour. Où est l'amour aujourd'hui? On a l'impression que l'amour n'est plus, n'est-ce pas, d'actualité à l'église. On ne voit plus l'amour dans l'église. On ne voit plus, on s'insulte entre nous. On se défend. Les gens me disent, mais hein, le Messie, il est sorcier, tu veux le délivrer? Mais oui, il n'a pas demandé d'être sorcier. Mais si, il est sorcier. Non, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai le pouvoir de le délivrer, je le délivre. Amen. J'ai un monsieur qui est venu à Divo, et on l'a chassé du village de sorcellerie. Il a tué tout le monde, il a tué Amoué, il a tué Kwame, il a tué Yapoin, il a tué tout le monde dans un village baoulé. Maintenant, moi, il vient me manger. La nuit, il est sorti de son corps, il m'attaque, il vient me manger. Vers 2h du matin, on combat. Je suis allé le prendre à sa chambre, il s'est mis en genoux. Il me demande pardon. Je lui ai dit, non, attends, mon fils, je suis ton tuteur. On t'a chassé du village. Moi, le tuteur, tu viens me manger. Avec la sauce arachide, avec Kabato. Il me demande pardon. Mais c'est par amour. Je l'ai accepté, je l'ai délivré, je l'ai dit pasteur. Donc l'amour, c'est ça l'amour. Vous comprenez? Est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit? Or, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est délivré, on doit être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Point d'interrogation. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le caractère que tu as, est-ce que c'est le caractère du Saint-Esprit? Aller insulter les gens, aller mal parler des gens, aller voler, aller faire ceci, cela, c'est un caractère du Saint-Esprit, ça? Est-ce que c'est l'esprit de l'Esprit de Dieu? Sinon, ça veut dire qu'il y a un mauvais esprit en toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu sera en toi, tout le monde nous reconnaîtra que tu es de Dieu. Il dit, aimez-vous les uns les autres, parce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour. Ça, on n'a pas besoin. Quelqu'un qui dit, il est bon là-bas. Non, je suis bon. Ce n'est pas toi de dire. C'est ton entourage qui constatera que tu es bon. Et puis d'ailleurs, quand tu commences à être un vrai chrétien, tu seras persécuté par tes amis proches. Ils vont d'abord te persécuter. Est-ce que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit? C'est pas quelqu'un qui dit, oui, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais c'est le comportement que tu es. Est-ce que le Saint-Esprit peut te réveiller la nuit pour aller coucher à une prostituée? Est-ce que le Saint-Esprit te parle, tu dis, allez, il faut aller d'en bas. C'est le Saint-Esprit. La nuit, tu te réveilles, tu vas où, Atia? Tu te caches. Tu vas où? Boubou, tu fermes la porte. Tu es dehors. Quel est l'esprit qui t'amène dehors? Cet esprit-là, comment on l'appelle? C'est un esprit mauvais. Or, l'esprit saint de Dieu va t'apaiser. Il va même pas, dès que tu as une mauvaise pensée, il va se mettre au dire, non, c'est pas un esprit de Dieu. Dis amen. Amen. L'esprit est là, la nuit du sort, tu vas fumer. C'est toi qui es dans tous les fumoirs. Tu connais tous les tabacs de Paris. Tu sais ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas la nuit. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et puis toi tu fumes comme si tu es le grand-père de bon malais. Si toi on peut te mettre dans une maison, même fumer si toi tu as respiré. Tu as le Saint-Esprit, tu mets tous les fumées sur lui. Fumer des temps, fumer des tas cigarettes. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit, frère. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on est apaisé. C'est-à-dire, quand on a une mauvaise pensée, frère. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une mauvaise pensée. Hein. Tu peux avoir une mauvaise pensée, mais tu as la capacité de maîtriser ça, de maîtriser face à cette pensée. C'est ça que quelqu'un a l'esprit de Dieu. Mais quand tu es possédé, ce que l'esprit te dit comme mauvais, c'est ce que tu exécutes. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si oui, il faut être rempli du Saint-Esprit. On peut avoir l'esprit de Dieu. Quand le démon sort de toi, tu as le Saint-Esprit. Mais encore, ce qui est intéressant, il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça agit sur ton caractère. On sent une femme qui était violente avant, qui devient rouge.
une femme tranquille, elle est apaisée, elle voit les trucs, elle devient spirituelle, il a un raisonnement spirituel, il n'est pas un raisonnement charnel. Quand on le parle, on dit, mais oh, apparemment, on pense que tu es faible. Non, c'est parce qu'on a l'esprit de Dieu en nous. La patience, la douceur n'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. Amen. C'est la force des grands, c'est la patience. C'est qu'on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, qu'on a les mauvais esprits, n'est-ce pas, qu'on a les esprits tordus, n'est-ce pas, qu'on n'a pas cette maîtrise-là. C'est ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Quand vous allez avoir le Saint-Esprit en vous, qui sera en vous, le diable va commencer à reconnaître votre autorité. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas céder au diable. Or, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, c'est pour servir Dieu. Dieu te donne son esprit pour le servir, pas pour servir le diable. Pour être à son service. Et quand Dieu te l'appelle, c'est pour le servir, pas pour servir le diable. Donc, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Si c'est l'Esprit de Dieu, on le sait déjà dans ton comportement, ta manière de parler. Tu es attiré vers les choses de Dieu. Il y a des gens même qui viennent à l'église, traînent les pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'anime, les choses de Dieu, tu es bouillant pour les choses de Dieu. L'heure, tu es pressé pour l'heure. Les choses de Dieu t'intéressent. Tu as envie de lire la parole de Dieu. Il y en a combien de personnes qui lisent la parole de Dieu avant de dormir? Il y en a combien de personnes qui prient? Point d'interrogation. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es attiré vers les choses de Dieu. Quand tu as l'Esprit du diable en toi, puisque c'est ce qui est en toi, tu es attiré vers le monde. La boisson, vers la perfection, vers les choses mondaines, vers les conneries qui ne sont pas la gloire de Dieu. Or, quand l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est en toi, hein? C'est ce qui est en toi qui se manifeste physiquement. Qu'est-ce qui est en toi? C'est ça qui t'échoue dans le combat. C'est ça qui, face au combat, tu échoues. Parce qu'en réalité, tu aimerais avoir la victoire, mais tu ne sais pas Dieu. Tu aimerais avoir la victoire sur le diable, mais tu sais le diable par ta manière de faire. Le diable ne reconnaît pas ton autorité. Il sait qui tu es. Il sait que tu ne brilles pas la voix de Dieu. Il sait que toi, tu es toujours, n'est-ce pas, dans les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Est-ce que toi, tu respectes Dieu? Il dit, j'honore celui qui m'honore. Si vous voulez avoir la victoire sur le diable, si vous voulez avoir, être le maître sur votre foyer, si vous aimerez que Dieu vous exauce, soyez rempli du Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un, sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. On a vu ça dans la vie, on a vu dans la vie d'Abraham. Abraham était un homme rempli du Saint-Esprit. Malgré le temps qui s'apprêtait, il était un homme rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as le discernement des opportunités. Comment Abraham a su que ces personnes étaient des anges qui allaient brûler Sodome et Gomorrhe? Comment il a su ça? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Or, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu négliges tout. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement des opportunités. Il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie, mais comme tu n'as pas le discernement, tu les perds. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Tu vas regretter un jour que Dieu a envoyé un homme dans ta vie, qui était l'homme de ta vie, mais tu l'as négligé, tu l'as perdu. Il y a des événements qui ne se répètent pas deux fois dans la vie. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. 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 Comment Abraham a reconnu que ces personnes, ces trois personnes étaient des anges? Il est là, il dit, il faut que je leur donne à manger. C'est des messagers. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi toi, tu n'avais pas le discernement? Le Saint-Esprit ne te parle pas. Un malade doit arriver, il ne te parle pas. Quelque chose doit arriver, il ne te parle pas. Toutes les choses te surprennent. Ça veut dire que tu n'as pas le... Tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu ne parle pas à celui qui ne le respecte pas. Il ne peut pas te parler si tu ne le respectes pas. Tu ne respectes pas le Saint-Esprit. Tu l'as déjà attristé. Est-ce que tu m'as bien saisi? Abraham avait été rempli le Saint-Esprit. C'est pour ça que si vous voulez être béni, il faut que vous soyez avec l'Esprit de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, que vous avez rempli le Saint-Esprit, vous allez avoir le discernement des opportunités. Vous allez avoir le discernement. C'est ce qui animait Joseph. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, Dieu ne va jamais descendre. Il va utiliser une personne pour vous bénir. Il faut avoir le discernement. Quand je suis en face d'une personne, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Quel est le message qu'elle a vécu de Dieu pour moi? Moi, c'est tout. Si vous voulez être grand, devenez spirituel. Devenez exagérément spirituel. Que vous voulez ou pas, ça, c'est un message démoniaque ou c'est un message de Dieu. Que vous voulez, c'est l'un ou l'autre, c'est comme ça. Vous comprenez? Pour que Joseph accède à la cour royale, pour que Joseph arrive, ce héros, être plutôt pharaon, il a fallu des chansons. Il a fallu qu'il rencontre des chansons. Vous rencontrez des gens qui vous détruisent toujours. Vous comprenez? Parce que ce qui est en vous, c'est des mauvaises choses. Donc vous rencontrez les mauvaises personnes. C'est des mauvaises personnes. Ce qui est en vous est mauvais. Abraham, plutôt Joseph a rencontré les chansons.
C'est la chanson qui est sortie de la prison qui a parlé de Joseph à Pharaon. Et c'est comme ça Pharaon, c'est comme ça Joseph a accédé à la cour royale. C'est un homme qui va te faire. Pourquoi toujours toi tu rencontres les gens qui te font pleurer? Ça veut dire que ce n'est pas des bonnes choses qui sont en toi. Il n'y a pas de bonnes choses en toi. S'il y a des bonnes choses en toi, tu rencontreras des bonnes personnes. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des bonnes choses en toi, tu rencontreras des bonnes personnes. S'il y a des bonnes choses en toi, tu rencontreras la bonne femme. S'il y a des bonnes choses en toi, tu rencontreras le bon monsieur. Amen. C'est parce qu'il y a des mauvaises choses que tu es toujours en train de rencontrer des gens pour te faire pleurer, pour te faire couler les larmes. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. L'Esprit de Dieu qui animait les gens en fait rencontrer ces personnes, des bonnes personnes. Joseph a rencontré les chansons. Mais étant même en prison, dans un lieu d'humiliation, dans un lieu le plus bizarre auquel il ne s'entendait même pas, il rencontre un homme pour le faire sauver. Et c'est dans le lieu le plus bizarre qu'il est rentré dans sa destinée. Pourquoi toujours toi, tu rencontres toujours les gens bizarres qui te mettent en prison, qui te créent des problèmes? Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il faut que nous soyons en prison. On va en réveiller un an, deux ans, trois ans. Nous sommes la même personne. On n'a pas changé. Rien ne change. On est des gens pour qu'on prie toujours pour nous. Il faut qu'on toujours prie pour toi. Mais pourquoi? Pourquoi on doit toujours prier pour toi? Il faut grandir. Pourquoi c'est pour toi toujours qu'on doit prier? Tu n'as jamais évolué. Or, quand vous rencontrez le Saint-Esprit, partez d'un point à l'autre point. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que moi. Ouais. Quand l'Esprit de Dieu remplit, te remplit, Dieu t'emmène à une dimension pas possible de bénédiction. Amen. Rien ne tombe dans ta vie. Tu te plains toujours. Rien ta vie. Est-ce que ce que tu vis comme vie, elle est normale? Est-ce qu'elle a la gloire de Dieu? Ce n'est pas une question de deux minutes ou deux jours, j'ai fait un an, je me suis abstenu, non. Mais c'est une vie de chaque jour. Le Saint-Esprit, c'est une vie de chaque jour. Les gens, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils aimeraient que Dieu les aide. Mais pour que Dieu nous sauve, il a donné son fils unique. Il y a eu un sacrifice de la part de Christ en donnant son fils unique. Les démons n'ont pas peur de toi parce que toi, en toi, il y a des vilaines choses. Tu ne réfléchis que les mauvaises choses. Tu te réveilles le matin, comment aller tromper ton mari? Tu te réveilles matin, comment aller tromper ta femme? Tu te réveilles matin, comment aller voler? Comment aller anarquer? Comment aller faire des conneries? Comment aller faire des vilaines choses? C'est ce qui t'anime. Ce n'est pas les bonnes choses à la gloire de Dieu. Donc, c'est les mauvaises choses que tu vas toujours rencontrer. Les opportunités, je les perds. Combien de rencontres il a eu? Ça sort de zéro aujourd'hui. Parce que toi-même, tu n'es pas bon. Il n'y a pas de bonnes choses en toi. La mauvaise connexion a-t-elle la mauvaise... La connexion a-t-elle la mauvaise connexion? Il y a mauvaises choses en toi. Donc, ça attire les bons... C'est des mauvaises choses. C'est ça que les gens bizarres viennent vers toi. Le jour où tu auras des bonnes choses en toi, que tu seras rempli du Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu sur toi. Amen.